Good afternoon, 47. Your targets are Richard Aquensi, former Central African dictator, and his gold digger wife, Inez. Following a brokered departure from power, the targets have lived off the money they looted during their reign. The ICA has learned that the two will be at the Himapan Hotel in Bangkok at a clandestine meeting with a representative of French intelligence. The targets have been avoiding media attention in recent months and will likely not arrive at the hotel via the river. He takes no risks with his personal safety, so expect his security team to cover all possible approaches. The clock is ticking, 47. Good luck. Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille et on se retrouve aujourd'hui dans Hitman pour la nouvelle cible fugitive, enfin disons réactivée de 2016, c'était la numéro 13 pour être précis, l'ex-dictateur et la croqueuse de diamants. Richard et Inès vont mourir bien entendu. Donc là je profite de préparer mon inventaire et mon entrée pour la mission. Donc là je vais prendre le costume Blood Money car c'est l'un de mes préférés. Ensuite je vais garder le Silver Baller de l'ECA. Je vais choisir la suite de 47 comme point d'entrée. En objet de contrebande, je vais cacher dans la suite de 47. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je vais choisir? Alors, je regarde un petit peu les canards explosifs, parce que je... Disons que j'ai une idée pour un plan A, mais j'ai aussi un plan B. Et le canard explosif sera mon plan B. Et en fait, je vais plutôt m'orienter sur le canard pâle, le blanc. Celui qui, si vous vous souvenez, était en incluant dématérialisé avec le pack Rikiem dans un pack démat avec le costume Rikiem et le pistolet chromé. Et donc je prends aussi des charges explosives et c'est parti. On lance le contrat. Donc nous sommes sur Xbox One S, donc j'ai eu, je peux déjà vous le dire, un rang Assassin Silencieux 5 étoiles, avec un très bon score. Donc la vidéo elle est plutôt courte. En contrepartie la version PS4, je n'ai eu que 4 étoiles, et pourtant j'ai éliminé les cibles par accident, mais ça vous verrez comment. J'ai une étoile en moins parce que du coup en voulant anticiper de neutraliser un garde du corps, il était pourtant bien caché, mais des portes ne sont pas refermées malheureusement alors qu'elles ont l'habitude de se fermer toutes seules. Bon, ça vous le savez hein, je vous apprends rien. Donc là, on attend que le chargement soit terminé. On arrive dans notre suite. Et là, je me dirige dans la chambre pour prendre le canard pâle. Qui, comme je vous l'ai dit, je le garde juste en cas de secours. Donc là, je vais chercher un extincteur. Et là, vous allez me dire, extincteur, ça veut dire petite explosion. Mais oui, je dirais même une très grosse explosion. Je vais donc placer l'extincteur ici, entre la table basse et le canapé. Poser deux charges juste en dessous de la table. Voilà, comme ceci. La deuxième à droite, donc plus ou moins superposée sur l'autre, mais ça, c'est pas gênant. Alors, une devrait suffire, mais moi, par précaution, j'en mets une deuxième. Et donc là, on voit nos cibles. Petit Richard et la petite Inès. Qui vont s'envoler dans quelques instants. Donc sa femme se dirige en premier.
badaboum. Mais voilà. Encore trouvé, victime par accident. Aucun problème. En faisant comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon score. Oups! Là, j'ai cru. Pendant un instant, je me suis dit, est-ce que le garde du corps va me repérer? Donc là, il se retourne. Voilà, il y a bien un point d'interrogation sur sa tête. Donc voilà, les deux défis réussis. L'ex-dictateur et la croqueuse de diamants. Et donc finalement, moi, je préfère jouer la sécurité et perdre un peu de temps, attendre un peu. Et au final, bah, je vais choisir de me déguiser en personnel de l'hôtel. Donc je vais retourner dans ma chambre et appeler le service d'étage. Voilà, chose faite. Tiens, notre porte en plus, elle reste ouverte. Donc ça, honnêtement, c'est, enfin pour moi, c'est, je sais pas, mais je sais pas. Ça devait être un bug parce que ils étaient pas encore là. La porte, elle aurait dû être fermée. Donc là, c'est bon. Monsieur va se dépêcher d'aller dans la chambre refaire le lit. Je le suis, comme bon client que je suis, et surprise! Ah bah qu'est-ce qui t'arrive? Allez hop, neutralisé, on va te mettre sur le côté, tranquillement. Par contre, on se déguise pas tout de suite, hein, parce que la miss est à côté, donc moi je ferme la porte hein, quand même. C'est mieux. Qu'est-ce que va faire mon collègue? Qu'est-ce qu'il fait? Hop là! Allez, on s'en fout du collègue. Toi, t'es neutralisé aussi et on va te mettre à côté de lui. Tout simplement. Voilà, elle est très bien comme ça. Donc là, on prend son déguisement. Et on se tire, on se casse, vite! Ah, je vais prendre mon temps quand même. Mais là, c'est bon, on risque plus rien. On va pouvoir passer devant les gardes du corps sans problème. Donc là, la directrice est à droite, tout va bien. Là, il n'y a pour ainsi dire personne qui peut me repérer, là. Donc c'est bon. Des fois, il y a un mec à l'accueil, mais là, je sais pas, il est pas là. Et là, c'est bon, on se dirige tout simplement vers la sortie. Et voilà, c'est parti, 47 se casse de Bangkok. Allez, on va regarder ensemble les défis et le score total. Bah voilà, assassin silencieux, la croqueuse, ex-dictateur, costume décontracté avec les gants, donc débloqué aussi pour la version PS4 d'ailleurs. Voilà, 5 étoiles, assassin silencieux, bonus de temps 4 minutes 45, voilà, donc c'est c'était vraiment une de très bonnes cibles, mais pas évidente. Donc voilà, je vous retrouve dans quelques instants sur la version PS4. Merci à tous et à tout de suite. Welcome to Bangkok 47. On-site intelligence has confirmed that the target will arrive shortly and that the Himapam restaurant has had a last minute booking for 2. Good hunting. Good afternoon, 47. Your targets are Richard Aquency, former Central African dictator, and his gold digger wife, Inez. Following a brokered departure from power, the targets have lived off the money they looted during their reign.
The ICA has learned that the two will be at the Himapan Hotel in Bangkok at a clandestine meeting with a representative of French intelligence. The targets have been avoiding media attention in recent months and will likely not arrive at the hotel via the river. He takes no risks with his personal safety, so expect his security team to cover all possible approaches. The clock is ticking, 47. Good luck. Alors, les amis, on se retrouve pour la deuxième version de l'ex-dictateur et la croqueuse de diamants, donc sur PS4. Donc, toujours pareil que sur Xbox, hein, on fait ce qu'on veut, aucune la méthode au choix et déguisement au choix, c'est très bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est que mon but, moi, est de changer de tactique. Donc là, dans un premier temps, je vais détruire cette caméra ici. Je vais me déguiser en serveur de l'hôtel. Je prends la Morora, un vomitif, ça peut toujours servir au cas où. Voilà, je passe le pied de biche au passage. On ferme les portes. Ici, on se planque ici, on va attendre que notre ami se retourne afin de prendre ce déguisement ici, celui que je vous ai parlé il y a quelques secondes. Allez, retourne-toi. Là, on va en profiter pour prendre des pièces de monnaie au sol dans le linge-châle. Voilà, quand il se ramène devant ce lave-linge, sa collègue ne l'entend pas gémir, donc ce qui est plutôt pratique. Maintenant... on va attirer sa collègue ici. Donc bien sûr, t'as les deux qui se retournent, le jardinier et la fille. Voilà, on va quand même ramasser la pièce. Et lui va se prendre un pied de biche à travers la tronche. Normal. Voilà. Allez, on en profite pour prendre la carte d'accès, pour ouvrir n'importe quelle chambre d'hôtel. Si besoin, ça peut toujours servir. Ah, je peux pas le cacher ici, ouais. Donc on va le mettre là. Voilà. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai oublié qu'il faut aller chercher mon objet de contrebande. Mon objet de contrebande qui est une seringue. Qui se trouve à côté du frigo. Enfin, c'est un frigo ou... ouais, enfin, disons un ancien distributeur de boissons. Voilà. Bonjour. Allez, on va retourner. On va aller voir ce qui se passe au bar. On traverse la buanderie, les vestiaires. Là, on peut passer devant elle, il n'y a aucun souci. Je suis patient. Voilà, jusqu'à...
Oh, si quelqu'un vous voit escalader, c'est pas grave. Salut! Alors du coup je vais passer ailleurs parce que... Alors à lui, où il est? Il y a un collègue là qui peut me repérer normalement. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Il est pas là? Ah, il y a eux là, ouais. Si je pouvais passer par là, ce serait peut-être pas mal. Voilà, donc ça c'est bon. Ah, à mon avis, c'est là que ça se passe, hein, vu les gardes qu'il y a. Hey, I heard someone wants their check. Il passe con, lui. Ah ah. Bonjour, mademoiselle. Et tu me pousses en plus. Bonjour les deux là. Ah, mais on dirait des gardes du Sisada à Paris. Ah ah. Je l'ai échappé belle avec le barman qui passe là. C'est sûr si je me mets accroupi. Voilà à quoi me sert le lecteur de cartes. Le passe, pardon. C'est justement pour pouvoir rentrer ici. Et là, on va essayer. Alors, voyons voir. Je sais pas si on peut. On peut placer une pièce ou pas là? Ouais, on va la mettre là. Voilà. On va mettre une pièce, on va dire. Ici. Voilà. Monsieur devrait voir la première pièce. Va voir la deuxième sur la rambarde. Mais puis bon, je vais le pousser, quoi. Je vais le pousser. Ça va être sympa. Pour ce qui est de la fille, on va trouver un autre truc. Ce sera par contre plus difficile de l'approcher. Beaucoup plus difficile. Normalement, il devrait venir passer un coup de téléphone ici. Donc comme ça, ça fera toujours une économie de seringue si j'arrive à l'avoir comme ça. Voyons voir ce qui se passe ici. Alors apparemment elle revient dans la salle avec ses gardes du corps. Richard aussi. Donc ça c'est bien.
ce barman qui peut me repérer, c'est quand même assez pénible. Alors du coup, est-ce qu'il compte venir ici? Ça, je me le demande. Ah si. Finalement, il est là. Someone knew that and they killed her to send the message. How I know this? Because I'm not stupid. I didn't live this long taking stupid risks. Find out how it was done and tell me. Termine ton appel téléphonique. Ah, c'est... ah, mais t'es sérieux, tu t'en vas? Non. Ah, c'est bon, il a vu la pièce. Bien. I wonder what's on TV tonight. Yes. Il voit la deuxième. Impeccable. Richard Aquenzi is dead, 47. Inez Aquenzi is your next target. Bon, alors le premier réussi, ça c'est bon. Maintenant, il faut que j'arrive à descendre la petite Inès. Ce qui va pas être de tout repos. Ça va pas être de tout repos tout ça. En fait, elle s'assied là, c'est ça? Ah. Bon, en fait, si elle s'assied là, je pourrais peut-être poser un extincteur, en fait. Voyons voir. Yeah, whatever. Go wait a table or something. Sir, you dropped something. Voilà. Alors, voilà. Allez, allez, allez. C'est parti, on a réussi. Impeccable. Ah, c'est super, je suis content, j'ai réussi mon coup.
Hop là, le gars d'accueil nous a pas vu. Ah super, j'ai posé un extincteur à côté de, bah, de là où elle s'assied et je l'ai fait péter. Donc du coup vous pouvez prendre le Silver Baller de l'ECA, y a pas de problème. Ah bah c'est super, c'est super. Et voilà, tous les défis sont réussis. Petit costume décontracté avec les gants, mais c'est super tout ça. Ah ah ah, 128 000. Ah, 4 sur 5, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Ah ouais, c'est curieux ça. C'est curieux ça, tiens donc. Bon, bon écoute. Là par contre c'est ouais, c'est étrange comme truc. Aucun corps trouvé. Bah non, je comprends pas bien parce que du coup l'extincteur ça doit faire passer pour un accident, donc je comprends pas. Donc là il y a, je sais pas, peut-être un bug ou je sais pas, ou un truc que j'ai oublié, mais bon, l'extincteur ça doit faire passer pour un accident. Ensuite Richard, le fait qu'il soit tombé par-dessus la balustrade, pareil, ça passe pour un accident. Bon, bah c'est pas grave. En tout cas, le principal, c'est de réussir. La version Xbox, elle, par contre, c'est du 100% assassin silencieux. Là, j'ai pas à me plaindre. 4 sur 5. Voilà. J'espère que ces deux versions vous ont plu. Et puis, bah écoutez, bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de Hitman ou un autre jeu. Merci à tous. Allez, ciao.